vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Ça m'avait manqué depuis les vlogmas. Je voulais faire une vidéo un petit peu spéciale. Je vais pas vous mentir, depuis début janvier je suis un peu déprimée. En fait il y a tellement beaucoup de pression, et pourtant je suis pas du genre sensible à ce genre de choses, mais là je sais pas, cette année c'est sûrement après les vlogmas, j'étais tellement fatiguée, j'en sais rien. Même si je vous dis ne vous mettez jamais la pression, bah même moi je peux me mettre la pression toute seule sur des trucs un peu bêtes. J'ai eu une petite panne d'inspiration. Alors il y a plein de trucs que j'ai envie de faire cette année et que je sais que je vais faire, etc. Mais sur des vidéos classiques, j'ai eu un peu de panne d'inspiration et je me suis dit c'est bête de me bloquer pour ça, parce qu'en fait ça m'a totalement bloqué, ça m'a limite démotivé, alors qu'il y a plein de choses que je veux faire. Enfin c'est vraiment bête quoi. Donc du coup j'avoue ça m'a un peu déprimé toutes ces histoires. Vous savez que dans mes vidéos j'essaye de vous partager un maximum de la bonne humeur, de la positivité, tout ce que vous voulez, et c'est jamais pour faire semblant, mais c'est juste parce que pour moi quand on regarde des vidéos sur YouTube, quand on regarde des stories Instagram, quand on va sur les réseaux sociaux en règle générale à la fin de notre journée, qu'elle se soit bien passée ou non, on n'a pas envie d'entendre quelqu'un se plaindre. C'est un truc vraiment que je ne veux pas vous transmettre. Et alors il y a parfois, bien évidemment, hein, c'est justifié, mais je parle des gens qui se plaignent pour un oui ou pour un non et qui sont hyper négatifs, et je trouve que ça nous prend... En fait on passe tellement de temps sur les réseaux sociaux que c'est hyper important de faire attention à qui on suit pour ça. Et voilà, bref, tout ça pour dire que je ne veux pas être comme ça. Mais voilà, là aussi j'ai envie de vous faire une vidéo un petit peu différente, parce que je veux pas non plus que vous croyez que genre tout est rose dans ma vie, je déprime jamais, pas du tout, enfin je suis une personne totalement normale. C'est juste que voilà, j'essaye de mettre en avant le plus possible le positif pour essayer de le répartir partout. Donc dans cette vidéo j'ai décidé de vous vlogger un petit peu ce que je fais quand ça ne va pas trop. Je vous en ai parlé un petit peu en début d'année sur Instagram, en story, et vous avez été nombreux à me répondre que vous non plus ça allait pas, qu'il y avait une déprime de début d'année, bah chez plein de gens. Donc je me suis dit écoutez, peut-être que cette vidéo va être utile, ou au moins j'espère que vous en direz moins seul si jamais vous vous sentez un peu déprimé. Donc du coup j'ai décidé de vlogger toute ma journée aujourd'hui, objectif, essayer de redevenir un peu positif, de se motiver, pas faire des trucs qu'on aime pas. Voilà, aujourd'hui je prends une journée pour moi, je vais faire que des trucs que j'aime. Donc ce matin je me suis levée un petit peu tôt, ensuite je me suis préparée, parce que je trouve que quand on est un peu déprimé, un peu démotivé, ça fait du bien de se sentir bien dans sa peau physiquement. Donc je me suis fait un make-up, je me suis bouclé les cheveux avec mon Dyson que j'aime trop. D'ailleurs vous êtes grave nombreux à me demander ce que je pense vraiment du Dyson, et moi j'adore, mais il y a certains types de cheveux sur lesquels ça tient moins. En tout cas moi sachez que j'ai les cheveux très épais et on m'a toujours dit que ça allait pas forcément tenir. Moi ça tient hyper bien, voilà. Il est un petit peu plus tard là, il est midi d'ailleurs, et on commence du coup la journée par quelque chose qui me fait très plaisir, et vous savez ce que c'est? C'est de manger. Je pense qu'aujourd'hui c'est un des trucs qu'on va pas mal faire, mais du coup là j'ai commandé à manger, parce qu'il y a un autre truc qui me fait encore plus plaisir que manger, c'est de ne pas faire à manger. C'est jour de fête d'ailleurs, je commande plus trop à manger en ce moment, je suis très contente, mes finances se portent beaucoup mieux comme ça. J'ai commandé ça dans un resto italien, c'est genre une grosse burrata avec de la focaccia et tout. J'ai trop hâte de manger ça. Ce soir on va faire des folies, j'ai prévu plein de trucs. Franchement du coup j'ai déjà le sourire parce que je sais que je fais que les trucs que j'aime. Donc voilà, j'ai hâte, j'attends ma commande. C'est arrivé. Nous avons la focaccia chaude et notre burrata bien sûr. Les Italiens, j'aime votre nourriture. C'est très important de manger quand on est déprimé. Vous avez le droit de manger tout ce que vous voulez, déjà en temps normal, mais quand on est déprimé, encore plus. Ça je peux pas résister, impossible. Et très important, regardez la série qui vous fait plaisir. Moi je ne vous la présente plus, Gossip Girl, pour la 150e fois. Je me suis habillée, il y a Jérémy qui est arrivé, vous avez jamais deviné ce qu'on va faire. Ça fait trop longtemps qu'on voulait faire ça, et Jérémy il a commandé un sac à dos pour mettre ton chat dedans. Bah pour ceux qui savent, Miso c'est un chat sauvage qu'on a adopté, et du coup on voulait qu'il sorte un petit peu dehors, parce que en plus là on a trop de chance parce qu'il fait trop beau. Donc on va le mettre dedans pour la première fois et on va aller se balader dehors. C'est trop mignon, je m'en mettrai pas. On va en balade. Il va rien comprendre, il va avoir peur. Mais c'est pour sortir dehors. Regarde-le, c'est trop mignon. Ça n'a aucun sens. Miso, comment il gigote, t'as pas idée. C'est trop mignon. C'est grand. C'est pas foufou, mais... Bah c'est bien, il peut marcher. C'est trop bien ce truc. Il peut aller derrière, c'est trop mignon. Il est trop mignon. Il est allongé genre. Notre balade de dépression. Bah voilà. Ouh là là, c'est trop mignon ce truc. Je m'en mettrai pas. Je crois que moi aussi je me suis assise dans un truc de ouf. Est-ce que j'ai un truc dans mon fesse? Ouais, une dinguerie. Oh là. Mais là, non. Là là, une dinguerie. Ah, c'est une dégoûte. Grosse merde.
parle pas trop. Toi tu... Mais MDR, attends, je vais te montrer tes fesses à toi. Toi tu t'es assis sur un truc, laisse tomber, je sais pas ce que c'est. Il fait le mec mais il a ça genre. Allez on rentre. Oh. C'était bien la balade? Chez Jérémy, on a déposé Miso, on a joué avec lui et tout. Et après, on a eu bien évidemment envie de sucre. Parce qu'on a tellement des soucis psychologiques qu'on est tous les deux allés dans deux boulangeries différentes. Parce qu'on a eu chacun envie d'un truc particulier. Déjà, t'as pris quoi? T'as trouvé une galette? Ouais, une galette individuelle. Et moi, je voulais une tarte citron. J'adore ça. Et Jérémy, c'est ce que j'ai pris, le deuxième truc. Parce que là-bas, c'est hyper bon. J'ai pris un financier chocolat. Il a une sale tête, il est horriblement moche. Mais je te jure sur ma vie qu'il est hyper bon. Oui, c'est pas ça va pas. Il respire l'usine. Je te jure qu'il est hyper bon. Ils en sortent 10 000 par jour. Là, il a l'air dégueulasse. Quand tu creuses dedans, c'est genre un paradis sur terre. Ma tarte citron. C'est l'heure de faire goûter. Ah, mais c'est chocolat. Ouais, mais c'est bon. Ok, goûte pas celui-là. Parce que d'habitude, c'est 100 fois meilleur. Parce que là-bas, c'est hyper bon. Heureusement que tu l'as pas goûté. Mais je te promets que d'habitude, c'est genre. C'est pas un financier, ça, c'est un office. Ouais, mais. Bon, vas-y. J'en ai marre. Bon, il est un petit peu plus tard, il fait déjà nuit. Mais la journée n'est pas finie. Ce que j'adore faire, vraiment, c'est d'acheter des fleurs. Pour moi, je trouve que c'est vraiment genre un grand luxe. Et tu te sens trop bien chez toi. Comme ça, ça nous fait marcher aussi un petit peu. On va aller acheter des fleurs. Voilà, je suis trop contente. Et je suis en train de faire un caprice à Jérémy. Je sais pas si ça va passer. Mais je pense que ça y est, c'est déjà passé. Tu rends fou. En gros, je veux trop manger un ramen. Vous savez que les ramen, c'est vraiment. Genre, j'aime trop ça. J'ai l'impression que je parle que de nourriture dans ce vlog. Pour changer. Ça c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais un truc qui aide trop, c'est que votre maison soit propre, que votre appartement soit propre, rangé. Moi c'était déjà fait, parce que je commence à être une grande maniaque, je sais pas pourquoi. Soyez propre. Ça c'est important, et si vous ajoutez des petites fleurs, vous allez être très heureux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça j'aime pas trop, et là-bas c'est plus cher. Ça c'est bien. Je suis rentrée à la maison, trop contente de mes petits bouquets. Regardez celui-là, comme il est trop mignon. Ça me rend trop heureuse. Quand tu te réveilles le matin, c'est tout beau. C'est vraiment apaisant. Waouh, j'adore. C'est un peu le bazar sur ma table, mais j'aime trop. C'est tout mignon. Et celui-là, du coup, je sais pas si je remplace ces fleurs ou si je mets ça ici. C'est peut-être mignon ici. C'est un peu haut, mais en vrai peut-être que genre demain je couperai un peu. Je suis trop contente et du coup j'ai acheté les petits trucs chez Sephora. Je pense que je vous montrerai après parce que du coup on va aller manger un ramen. Et je pense qu'on va se faire une petite soirée cocooning après notre ramen. En mode huile dans les cheveux, masse, self-care. On va discuter, vous et moi, parce qu'on a trop de choses à se dire. Let's go. Tout juste. Je pense que je vais direct me démaquiller et aller à la douche. Comme ça je fais mes soins. J'en fais vraiment pas assez, je trouve. Genre des masques, des soins pour le visage, pour le corps, pour les cheveux. Genre je ne fais pas assez, je prends pas le temps. Donc même s'il est tard, c'est le moment de le faire. Je me suis lavée, démaquillée, lavé le visage. D'ailleurs vous me demandez tout le temps ce que c'est mon meilleur visage. C'est celui-là, le Typologie. Et franchement je l'adore, il est au zinc. Et le zinc c'est trop trop bien pour l'acné. On va se faire nos soins. Il y a quelques temps je vous avais dit que j'avais commandé une crème solaire. Je suis à la recherche depuis des années maintenant d'une crème solaire qui ne me fait pas de boutons. Parce qu'absolument toutes les crèmes solaires de cette terre me font des boutons. J'ai cette crème que je garde en souvenir, qui était la seule qui ne m'en faisait pas et qui est bien sûr discontinuée, qui ne se fait plus, parce que sinon c'est pas drôle. Donc j'en ai commandé plein et j'ai commandé du coup en dernier la Sonia Dakar, que j'ai payé franchement un peu trop cher et évidemment qui me fait des boutons. J'ai l'impression que je n'arriverai jamais à en trouver une et c'est vraiment le seul truc skincare dans lequel je vais investir. Et si vous avez eu le même problème que moi et que vous avez trouvé votre bonheur, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, mais j'ai l'impression que personne n'a le même problème que moi. Avec ma commande, j'avais reçu des échantillons, dont un truc que j'ai trop envie de faire. C'est un exfoliant qui se fait en une minute. Et ça, c'est trop bien pour une peau de bébé. S'exfolier la peau, c'est trop bien.
C'est vrai que c'est un truc qui te brûle la peau si tu le laisses poser plus longtemps. Ah, ça sent fort, sa mère. Ah, ça pique les yeux. Oula, c'est hyper fort. J'ai l'impression de m'appeler le magique de l'alcool sur le visage. Ouah, ça... Ah, ça pèle. Vous croyez que c'est ma peau que je suis en train de peler, là? Ah, j'espère pas, ça me dégoûte. Les exfoliants chimiques, c'est vraiment le plus efficace. Et c'est le mieux si vous avez de l'acné. Les grains, c'est vraiment le pire. C'est ouf, tous les petits trucs que ça fait. Bon, je vais rincer un peu. J'ai la peau... Oh mon dieu, je n'ai jamais eu la peau aussi douce de ma vie entière, mais vraiment là. Pour ceux que ça intéresse, bon courage pour les frais de douane. C'est le Flash Facial de Sonia Dakar. Je suis choquée. Chez Sephora, j'ai acheté des masques en tissu. Je veux me faire les masques yeux caféine et le masque visage aloe vera. La caféine, c'est le truc le plus efficace pour les cernes, donc let's go. Les patchs pour les yeux, pour moi, c'est comme les fleurs, c'est le grand luxe. Ça coûte cher pour une seule utilisation et quand tu le fais, genre tu profites de ton moment. Bon, du coup, cette journée, honnêtement, je suis quand même assez contente parce que ça m'a remonté le moral. Je trouve que c'est important, bah si vous avez le temps, bien sûr, le week-end, un dimanche, juste pour prendre un tout petit peu soin de nous. Et moi, je le fais pas assez. Mon problème, c'est que je pense tout le temps, je suis tout le temps, même si je fais rien, genre physiquement, je peux être dans mon canapé, genre allongé. Je ne me repose pas parce que dans ma tête, je suis toujours en train d'essayer de penser à des nouvelles idées, des nouveaux trucs. Programmer, ah oui, il faut que je commande ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça parce que sinon je l'aurai pas pour telle date. Et je pense qu'en fait, avec les vlogmas, j'ai fait un surplus, un trop de ça. Et ça a fait qu'en fait, en janvier, ça m'a mis un peu une claque parce qu'il fallait en plus que je programme toute l'année après ce mois intense de une vidéo par jour. Donc voilà. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, je veux réussir à trouver l'équilibre entre essayer de vous ramener un maximum de choses positives parce que pour moi c'est hyper important tout en restant vrai parce que de toute manière, je ne vous mens pas dans mes vidéos. Si ça ne va pas, je vous le dis, je veux trouver les bons moments et je veux pas non plus que vous pensiez que tout est toujours tout beau. Et parce que je sais que c'est aussi un truc qui peut être un peu chiant sur les réseaux quand t'as l'impression que la vie de quelqu'un est parfaite ou je sais pas quoi. Tu te remets limite ta vie en question, tu te dis comment c'est possible, pourquoi ma vie n'est pas comme ça. Mais elle est pas comme ça, hein. La vie n'est pas parfaite. La vie est parfaite pour personne. Et en tout cas, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, vraiment, mais ne vous laissez jamais, jamais influencer par la vie des autres. Parce que je peux vous assurer qu'on montre aussi ce qu'on veut sur les réseaux, donc oubliez pas ça. Et voilà. C'est ce que je voulais un petit peu mettre en avant dans cette vidéo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes déprimée? Qu'est-ce qui vous aide? Moi, je suis grave preneuse de vos conseils. Je vais mettre mon masque pendant que je parle par-dessus à l'aloe vera pour tout le visage. Les masques, c'est jamais la bonne taille sur moi. Ah, mais ça me pique! Ah, ça me brûle, ça me brûle, ça me brûle! Ça me brûle, mais un point. Un truc qui aide grave aussi si ça va pas trop, et c'est vrai que ça je vous en parle souvent dans mes vidéos, genre aller chez le psy, on en a déjà parlé et genre je peux pas être crédible avec ça sur la gueule, mais bon c'est pas grave. Ça aide trop. Avant c'était super dur pour moi parce que j'y allais beaucoup, mais ça coûte très 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 cher et enfin c'était horrible parce que vraiment je me privais de beaucoup beaucoup de choses essentielles dans ma vie juste pour pouvoir me payer le psy parce que ça me faisait trop du bien. Je vous mettrai en barre d'infos d'ailleurs le lien si jamais ça vous intéresse pour vous renseigner, voir ce qu'il y a à côté de chez vous. Mais c'est vrai que le psy ça aide trop parce que si vraiment vous êtes pas bien et que vous sentez que vous en avez besoin, vous devez pas avoir un problème, giga problème dans votre vie pour y aller. Ça peut juste vous aider aussi à remettre un peu vos idées en place parce que parfois quand on déprime on sait pas trop pourquoi, et c'est vrai que le psy ça aide grave à un peu tout remettre en ordre. Bon, je vous apprends rien, enfin logique. Lip mask de chez Morphe, je l'ai jamais testé. Oh là, ça colle. On pourrait l'utiliser en gloss, hein. J'ai rien dit, ça colle trop. En vrai je pense que je peux retirer le masque, ça fait assez longtemps là. Il est tombé par terre. On va se masser un peu le visage. Demain je vais avoir une peau de ouf. Demain matin je me fais vacciner. Au moins j'aurai une belle peau pour me faire vacciner. Je vais juste mettre mon Revitalash, faire pousser mes petits cils. Je vais aussi me mettre de l'huile dans les cheveux, c'est la Mermaid and Me, que j'adore parce qu'elles sont trop bonnes. Parce que là on fait tout jusqu'au bout, hein. Si je me pose une fois pour faire des soins, je vais tout faire. Ce que j'aime trop avec le Dyson, c'est que même quand je brosse mes cheveux, ça garde toujours un petit mouvement, vous voyez ça. Et ça avec un boucleur classique, j'ai quand même du mal à le garder. Crème pour les mains, celle-ci là de chez L'Occitane, les grosses, c'est vraiment le rêve d'une vie. Ils sont tellement satisfaisants et tellement efficaces. Je me sens trop bien, tartinée de crème. Vous voyez, ça me rend très contente. C'est un plus, enfin ça va pas régler tous mes problèmes, mais vous voyez, genre passer une journée comme ça, ça fait trop du bien. Franchement, je suis trop contente de ma journée.
Bon, ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense qu'il faut quand même que je fasse plus de vlogs sur ma chaîne. Genre, c'est mon format préféré pour vous parler un peu de tout. Je vais essayer d'en faire de temps en temps, faire des petits updates de vie, des vidéos sans vraiment de sujet. Et je trouve ça grave cool. Morale de cette vidéo, prenez soin de vous dès que vous pouvez, dès que vous avez le temps. Moi, voilà, je passe une journée où je peux me faire des masques, je mange des bêtises, voilà, je fais que des trucs qui vous font plaisir. Pour d'autres, ça va être faire du sport, pour d'autres, ça va être dormir, pour d'autres, ça va être voir leur famille. Chacun son truc. Et voilà, mais c'est hyper important. Et aussi, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, en règle générale en tout cas. Tout le monde a ses phases. Même dans une vidéo comme ça, je vais toujours essayer d'avoir le sourire. Et même dans la vie en général, même si je suis dans une mauvaise phase, je vais essayer d'avoir le sourire, mais ça veut pas dire que je suis au top de ma forme non plus. Et c'est pareil pour tout le monde, ne l'oubliez pas. C'est tout ce que je voulais vous dire. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Je poste 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, je suis active tous les jours. Et je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo.